à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2019, hein, puisse-t-elle être encore meilleure que 2018. Donc aujourd'hui, vidéo technique sur un exercice de biceps, il s'agit du preacher curl sur banc incliné, mouvement qui va axer le travail sur le brachial antérieur, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui va non seulement promouvoir le pic du biceps, mais également vous donner de l'épaisseur, du calme au niveau de vos bras, autant dire indispensable pour un rendu massif de ces derniers. Mouvement que j'affectionne tout particulièrement, hein, ceux qui suivent mes stories d'entraînement Instagram ont pu s'en rendre compte, et ceci pour plusieurs raisons que nous allons voir dans un premier temps, très brièvement, à la suite de quoi j'aborderai la démonstration technique à proprement parler pour que vous puissiez le tester dans vos salles respectives mais également chez vous, puisque c'est un exercice qui nécessite très peu de matériel. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux preacher curl sur banc incliné? Premier avantage et certainement le plus important, bah justement l'utilisation de ce banc qui va nous assurer, contrairement à un pupitre classique, d'adopter l'inclinaison optimale pour solliciter au maximum le brachial antérieur. Inclinaison qui, je vous le rappelle, hein, devra se rapprocher de la verticale, à l'instar un petit peu d'un curl spider. Deuxième avantage, c'est que le fait de travailler en unilatéral va vous permettre non seulement de manipuler un peu plus de charge, de mieux vous concentrer sur votre technique, mais surtout hein, d'éviter tout risque de déséquilibre, puisque chaque bras sera sollicité à la même charge et à la même intensité de travail. Et enfin, ce mouvement reste une parfaite alternative pour les personnes qui éprouvent des difficultés lors du curl spider, et ben justement à fixer leurs coudes, à maintenir leurs bras à la verticale, ou qui n'ont tout simplement pas le matériel requis pour pouvoir l'effectuer. Donc voilà pour les avantages, on va passer de suite à la démonstration technique. A tout de suite. Voilà, on est parti pour la démonstration technique. Avant même de toucher un haltère, on va se mettre en position de départ. Première chose, le réglage du banc. Banc dont le dossier sera encore une fois proche de la verticale. A la suite de quoi, je vais me mettre en position. Je vous conseille d'avancer la jambe du côté du bras qui va travailler, de sorte à bénéficier d'une bonne stabilité et d'une bonne position de force durant le mouvement. Le bord du banc sera quasiment imbriqué dans l'aisselle, j'ai bien dit quasiment, hein. Laissez quelques centimètres entre ces derniers afin de ne pas stresser l'articulation de l'épaule lorsque vous aurez la charge à bout de bras. La main passive sera quant à elle en appui contre le banc. A la suite de quoi, je vais saisir mon haltère. Je verrai à avoir continuellement la main dans l'axe de mes avant-bras, hein. Surtout pas de poignet cassé. Une fois en position, le mouvement est un peu plus simple. Il consiste à effectuer un curl. Veillez bien lors de la phase concentrique à ne pas décoller le bras sous peine de faire intervenir le deltoïde antérieur. Et sur la phase excentrique, n'allez surtout pas en extension complète sous peine d'avoir une grande perte de force, mais également hein, de mettre votre biceps dans une position de faiblesse, ce qui pourrait amener à quelques petits bobos. Donc encore une fois, maintenez un léger flex au niveau du coude. On expire sur la phase concentrique, on inspire sur la phase excentrique. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le preacher curl sur banc incliné, un mouvement que je vous invite vivement à intégrer dans le cadre de vos routines, que vous soyez pourvu de biceps courts ou de biceps longs. Encore une fois, le brachial antérieur, qui est d'ailleurs souvent délaissé et à tort par les pratiquants, est déterminant pour le galbe de vos bras. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, amis, hein. Vous savez que ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de très bons preacher curls sur banc incliné. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao, salut.